Bonjour, bonjour, ici Sierra Brizan pour vous servir et bienvenue dans un nouvel épisode de Pokémon Épée. Alors la dernière fois on avait récupéré Pain. Oh oui qu'il est beau. Alors Pain est arrivé, Pain a eu un peu de boost au niveau de son Gigamax qui est juste là, là. Sinon on voit que j'ai un poil modifié son set et la bulle d'eau parce que j'ai toujours pas eu d'attaque physique de type flotte. À lui mettre pareil tunnel, je peux mettre mieux, je pourrais mettre séisme mais je l'ai pas encore. J'ai mis vampi point parce qu'il pouvait l'apprendre nativement avec le raviveur de capacité et j'ai mis anohydro parce que j'avais pas de place, j'avais aucune idée de ce que je pouvais mettre là et il vient de l'apprendre. Et pour le coup j'ai supprimé deux unités, non pas un seul mais bien deux. J'ai retiré Yue qui va être un backup potentiel si je perds une unité puisque c'est quand même une unité extrêmement costaud. Et j'ai retiré Brutus parce que il va perdre. Inévitablement, Brutus va mourir. Il n'a pas de défense, il n'a pas de point de vie. Je préfère l'avoir en backup histoire d'avoir un moment où je me dis là j'ai un mal fou à faire. Tant pis, j'utilise lui. Voilà. Quitte à le faire crever, mais je l'utilise. Voilà. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer mon aventure. J'ai quelques dresseurs à aller combattre. Bonjour! Et quelques petites choses à récupérer par-ci par-là. Donc autant en profiter. Oh! Allez. Ribombelle. Donc Pokémon fée et insecte. Alors là, si j'avais eu un set poison, enfin une attaque poison à la place de Hydro Anohydro, ce que je cherche, j'adorerais avoir une attaque poison. Ça serait absolument délicieux. Mais je l'ai pas. Je ne l'ai pas. Et je vais y aller avec le bulle d'eau. C'est ce qui fera potentiellement plus de dégâts. Parasport. Ça c'est pas gentil, mais c'est pas grave, tant pis. Bon allez hop, équipe, j'ai pas forcément le temps à perdre. Je vais utiliser directement Alexander avec son tacle feu ou son tacle lourd. Il y en a un des deux qui tuera obligatoirement, enfin là ça va être la roulette russe. Est-ce que j'ai plutôt envie de l'écrabouiller ou est-ce que j'ai plutôt envie de... Voilà. De le cramer. Je pense que ça sera cramé là. Littéralement elle vient de me pisser dessus là quand même. Il faut un peu de respect quand même. Éclat magique. Ouais, sur un Pokémon de type acier. Logique. Et je laffe la girafe. aïe, mazette. Alors, point d'expérience. Napirène. Bon, je vais rester. Insecte vol. Alors, je pourrais lui mettre un set avec du poison. Ou je pourrais lui mettre aussi un set avec de la glace. Ça serait pas mal aussi à crapustule hein, je précise, ou carrément je pourrais aussi lui mettre un set avec de la roche. L'un dans l'autre j'ai aucune attaque sur les trois, j'ai aucune attaque qui irait bien, donc pour l'instant j'ai anohydro qui ne sert à rien hein. C'est littéralement une attaque qui ne sert à rien du tout, mais bon c'est voilà, c'est pas grave. On enchaîne. Je vais tout de suite mettre Crapustule en dernière... Enfin, déplacer. Je vais remettre Alexander en première position. Voilà. J'ai vu qu'il y avait un truc qui... Voilà, qui s'inquiète ici. Une dose d'huile. Ce sera toujours très utile si je fais l'arène. Est-ce que je peux passer par là? Non, je ne peux pas passer par là. Non, merci bien, Kat, mais je ne veux pas de toi. Bonjour. Tiens, libère-moi de ce démon à queue. Oh. Et d'ailleurs, je vois une nouvelle zone en haut. Oh, ça peut être bien, ça. Kyle, le chauffeur de taxi, envoie un bleuzaï. Bon, bah, une bleuzaï, c'est une bleuzaï. Hein. Qu'est-ce que je vais y faire dessus? C'est encore un Pokémon de type vol pur. Donc, tunnel ne fonctionnerait pas, ça c'est certain. Par contre, Oulad va faire des malheurs. Il m'a fait vendre. Oh l'attaque de... J'aime pas cette attaque.
Déjà, j'aime pas l'utiliser parce que augmenter le niveau de l'adversaire n'est pas une chose très logique, très intelligente, je trouve, à mon sens. Et après, c'est jouer sur la confusion et j'ai jamais de chance quand je joue sur la confusion, mais l'adversaire a toujours une chance folle. Furugle. J'ai une roulade qui est en réserve. Je suis confus, mais j'ai une roulade. Ça peut se faire. Là, le Furugle va se prendre une grosse attaque s'il n'est pas capable de tanker. D'ailleurs, faut que je vérifie un truc. Eh ben non, je me suis frappé dans la confusion, ça fait mal. c'est une puissance de 120 maxi. Je vais retenter roulade. Je peux encore me frapper dans ma confusion une fois. Bon bah là je vais m'en aller. Car je vais m'en aller. bon bah on va envoyer mon chien. Il pourra faire son petit croc éclair. Puissance 80 et sans limite, je ne sais plus. Ça manque de combien. Je vérifie quelque chose en passant. Parce que j'ai récupéré. Enfin, je m'a donné la possibilité la dernière fois de récupérer tête de fer, c'est 30%. 30% de 80, ça fait 80 fois 0, enfin 1, 3, 3 fois 8, 24, ce qui me fait une attaque de 100 et des brouettes de puissance avec effet, non pas d'effet justement. Je vais me soigner. Sac, je vais pas tenter de m'enfuir. Je vais directement à l'hyper potion. Pourquoi? Parce que s'il me fait un truc du style poursuite ou quoi, c'est pas sûr qu'Alexander survive. Donc dans le doute. Je vais aller me retirer de tacle lourd et plutôt mettre la tête de fer. Je vais m'expliquer pourquoi. C'est tout simple en fait. Le... Non, j'ai pas pris le bon. Tacle lourd est une attaque qui va prendre en considération le poids des unités adverses. Enfin, le poids des unités adverses par rapport au poids de l'unité qui le lance. S'il y a un ratio... le maximum qu'on puisse avoir, ça sera un ratio où on a un poids plume face au pachydère. Dans ce cas, la puissance maximale de tacle lourd, ça sera une puissance de 120. Très souvent, on tapera sur du 80 de puissance, 100 de puissance. 120, c'est vraiment si on tombe vraiment sur un tout petit bidule. Un tout petit bidule léger, je précise, parce que on a déjà vu des Pokémon très très petits qui pèsent 1,5 tonne. Voire plus. Donc en fait, dans le meilleur des cas, je ferai 120 de puissance. Et souvent, je ferai 100. Et si je tombe sur des grosses unités bien lourdes, Tortank par exemple, bon, je taperai plus dans les 80. Ce qui est pas forcément folichon. Par contre, tête de fer a une puissance de 80 nativement. Et avec la 100 limite que j'ai avec mon pachyderme, mon attaque sera à un poil plus que 100 points d'attaque. Ce sera 104. Sans prendre en considération, rappeler une capacité, le principe de... hop, Alexander. Sans prendre en considération le... Voilà. Le fait que ça soit une attaque stabée ou quoi que ce soit. Hop. Sans prendre en considération le stab, ça sera un poil moins puissant que si je tapais contre un poids plume, mais dans la moyenne ça fera à peu près les mêmes dégâts. Face par exemple à un Ronflex, il fera plus de dégâts. Face à un gros poney, il fera autant de dégâts. Donc en fait, c'est soit très souvent fera autant de dégâts
de rares fois fera moins de dégâts et le reste du temps fera plus de dégâts. Bon, c'est rentable. À ce niveau-là, on peut pas dire le contraire, ça devient rentable. Qu'est-ce que c'est ? Non. Non, parce que là, on sent quand même qu'il y a... Là, on le sentait. On sentait qu'il y avait un renflement ici. Ah, je me suis accroupi. Saleté de stick. Je vous l'avais déjà précisé. Quand je cours, j'appuie très fort sur mon stick. Le problème, c'est que quand on appuie très fort sur le stick, il s'enclenche. Et dans ce cas-là, on se met à couper. Donc, on veut courir comme des dératés. Et in fine, on s'accroupit et on attend que ça revienne. On est logique. Enfin bref. Pas grave, ça fera un petit peu plus d'XP pour tout le monde. Hop. On avance. Nouvelle zone. Nouvelle zone. Route 8. Oh, nouvelle zone. Qui dit nouvelle zone dit un nouveau Pokémon. Alors là, va falloir se choisir ça correctement. Parce que là, l'équipe... Elle n'est pas forcément folichonne, folichonne. Alors on va marcher doucement, c'est des ruines. D'accord. Donc déjà des ruines, ça peut être sympa. Je veux pas un gringolem. Hein. Faut... Oh, il y a une Pokéball là-bas. Je veux pas du golem là-bas, hein. Je vous le dis tout de suite. Acier, non, de toute façon je peux pas le capturer, ça sera acier spectre, mais bon, tant qu'à faire, autant ne pas le combattre. Hop, j'ai vu une Pokéball là. Je suppose que quoi, je sais pas, mais je suppose que Roselia, bah Roselia va se faire cramer gentiment parce que faut pas déconner. Attaquer, tacle le feu. Oh, Miami. Ça sent pas le brûler un peu. Plénitude. Non, garde tes compétences parce que je n'ai plus rien à te virer. Potentiellement demi-tour, mais demi-tour, même ça peut être intéressant. Ça me permettra de mettre des dégâts de gratte et de pouvoir m'enfuir si... Clapotus. Je ne sais absolument plus qui c'est Clapotus. Clapotus. Je vais changer de Pokémon, je sais pas ce que c'est. Justement, en voyant Sniff, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Clash, chapeau de puce, chapeau. Ah, chapeau, c'est peut-être le Pokémon Psy qui vient après Psy. Ouais, c'est ça. Ouais, bon, bah j'ai bien fait. J'ai bien fait parce que attaque, Bourdon. Ça devrait le tuer. Oh. Bye bye Bob. Coup critique, mais de toute façon ça n'a pas joué. Hein. Coup critique, ça a juste fait en sorte que je le tue deux fois. Dans un sens, c'est pas mal. Alors rappelons que il faut que je tombe sur un nouveau Pokémon. Pokémon. Pierre éclat. Oh, intéressant. On va y aller doucement. Parce que je ne veux pas croiser. J'aimerais bien croiser un Pokémon que je vois. Alors là-bas, je vois qu'il y a un Togedemaru. Je ne peux pas le capturer de toute façon, mais j'aimerais bien ne pas le croiser. Hop là. Voilà, ça c'est fait.
Avec ça, il dégringolait, mais des pâchés déjà dessous, quoi, dedans. Ah non, il y a des bons Pokémon. Hein. Il y a des Pokémon que je pourrais capturer facilement. Enfin, facilement, non. Mais que je pourrais avoir envie de capturer. Oh! Il y a une échelle là. Par contre, il faut que je fasse gaffe, il y a un Pokémon qui est pas forcément très bon. Mais que je peux capturer parce que ben j'ai rien qui soit... Oh, bonjour! Estocorn. Oh, intéressant, un Pokémon attaque de type physique. C'est toujours intéressant. Hop. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Faut que j'aille là-dedans. J'ai pas envie d'aller là-dedans. Il y a un truc là. J'ai vu un truc qui a fait gling. Ouh, il y a du Solarock là-bas, ça me donne pas forcément envie non plus. Bonjour Gringolem. Au revoir Gringolem. Oh, il y a une Pokéball. Ah. 3 hyper potions, ça se prend. Hop. Oh oui! Ah oui, ça oui, je veux là-bas. Oui, 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 je te prends. Oui, je te... Mais descends, trop... Mais il va descendre, oui. Un Fureigle, oui. Oui, un Pokémon vol, enfin. Je fais le début, depuis le début du jeu, je fais le jeu sans Pokémon vol. Comment je fais pour pas le tuer? C'est une très bonne question. Je veux y aller à la Pokéball direct. Allez, viens dans mon équipe, tu seras gentil. Oui, du premier coup. Alors, Fureigle, enfin Guerriaigle, mais qui deviendra un Fureigle. Je l'espère. Tac. Un peu de points de vie, il y a un peu d'XP. Les données du Furiglon ont été ajoutées au Pokédex. Il ne peut pas s'empêcher de défier les Pokémon qui ont l'air forts. Lorsqu'il perd, il pousse un cri assourdissant. Voulez-vous donner un surnom à votre Fureigle? Oui. Sniper King. Non, un personnage qui serait... bah si, je sais. L'aigle. On est obligé. On va vous rappeler vos cours d'histoire. Napoléon. Poilobidon. Il a rejoint votre équipe. On va pouvoir regarder ses stats tout de suite. Équipe Napoléon. Résumé. Et on va le mettre un peu à un niveau tout de suite, je pense. Baisse de l'attaque pour augmenter l'attaque SP. C'est une blague! Mais c'est un Pokémon qui a 123 de base de stats en attaque. Et là, il se retrouve avec une baisse de 12 points, ce qui le fait baisser à 100... 111. Bon, il reste quand même puissant, puis ça fait augmenter son attaque SP de 5 points. Ça fait 62, ça sert à rien. Et en plus, il a un regard vif. Oh, je suis déçu, déçu, déçu. Il pouvait avoir 100 limites. Il pouvait avoir 100 limites et avoir une puissance d'attaque monumentale. Bref. Il a avant-arrière. Ouais, grimace, aéropique. Et tranche. On va un peu améliorer Pépère. Alors, il évolue level... 54. Ah ouais. Bon, ben d'accord. Sac. On va le mettre level 54. Hop, on va utiliser des gros bonbons d'expérience que j'ai récupéré en faisant... Ben, quand je l'ai levelé, en fait, j'ai levelé au niveau des failles. Pour gagner un maximum d'expérience rapidement et j'ai récupéré pas mal de trucs. Ce qui fait que je vais apprendre Cyclone. Non, c'est bien. Ce qui fait que j'ai pas mal de bonbons. 46. On a dit 54, hein.
52, éclat de griffe. Oui, bah ça c'est pas mal comme attaque. Éclat de griffe à la place de tranche, ça peut être pas mal. Et après on verra. Alors il va être complètement pété, mais de toute façon, vu la reine qui arrive, je pourrais pas l'utiliser, je vous précise tout de suite. Tac, tac, et on va le monter jusque 54. Donc je pense que 10 bonbons ça devrait suffire. Ah non, 10 c'était pour assez. On va remonter de 5 bonbons. Ah bah non. Ah, attendez, coup de téléphone, j'arrive. Re les amis, ce sont des choses qui arrivent. J'avais un coup de téléphone. Bon, tant pis. C'est pas grave. Alors on a donné les bonbons, non, toujours pas. On est toujours pas arrivé au... On est arrivé où? C'est bon. Allez. Il faut que tu évolues, ouais. Napoléon évolue. Y va-t-il avoir encore des poils au bidou? Parce que Napoléon, poil au bidon. Oh. Dire que j'aurais pu avoir un guerrier-aigle extrêmement puissant et que j'ai la nature la plus pourrave qu'on puisse avoir. C'est pas grave. On enchaîne. J'ai même pas lu le texte au final. Oui, je vais oublier un peu une compétence pour avoir surpuissance. Oui, 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 tout à fait. Grimace ne me sert à rien. Aïe, 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 aïe. Misère, 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 misère. Bon, alors, tada. Surpuissance, premier Pokémon qui a surpuissance dans mon équipe. On va pas donner de bonbons, on va regarder ce que je peux lui apprendre. Parce qu'a priori, lui, je peux lui apprendre pas mal de trucs. Jackpot, Dernuée, tout ça, non. Non, on s'en fiche. Ronflement, on s'en fiche aussi. Charme. Aile d'acier, ça peut être intéressant. Non, bah non, pas sur le bachelier. Alors, vent arrière, ça permet de générer un rafale de vent qui augmente la vitesse de Pokémon pendant 4 tours. On s'en fiche un peu, en fait. On s'en fiche un peu d'augmenter la vitesse des Pokémon. C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Siphon, météore, on s'en fiche. Demi-tour, c'est très intéressant. Il va falloir que je me penche sur la question. Je vérifie ce qu'il y a encore. Blabladodo, on s'en fiche. Gonflette, ça peut être intéressant si je veux le setup. Demi-tour, ça semble quand même intéressant. Ça me permettra d'avoir... il est où, là? Attendez, je reviens. Re les amis, ma femme. Oh, ma femme qui m'aime tellement qu'elle me téléphone pendant mes lives. Oh, enfin, pendant mes vidéos. Non, c'est pour... raison pratique. Alors, j'ai soit éclat de griffe... qui peut baisser la défense, soit j'ai demi-tour. Vous savez quoi, je vais garder éclat de griffe parce que baisser la défense ça peut être très intéressant. Et surtout c'est stabé, donc je vais renoncer. Et je vais remettre les attaques correctement sur Napoléon. Qui devient une des unités les plus fortes de mon jeu pour l'instant. Hein, level 54. Mais de toute façon là je crois que je vais tomber sur une arène où je ne pourrais pas l'utiliser. Donc quoi qu'il arrive. C'est pas trop grave. Aéropique, j'ai pas mieux pour le moment. Éclat de griffe. Je vais même mettre éclat de griffe avant. Alors on va regarder un truc rapidement. Il a 133 d'attaque. C'est le même niveau d'attaque que Grigny. Et un petit peu moins qu'Alexander. Mais il a 10 levels de plus. Tout ça à cause de sa nature. S'il n'avait pas eu cette nature, il serait largement au-dessus. De 15, 20. D'une quinzaine de points, je dirais. Ouais. Une grosse quinzaine de points. Bref, c'est pas grave. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager la vidéo. Quant à moi, je vous retrouve la prochaine fois pour finir ces ruines. Et continuer le mode histoire. Ouais. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye.